parfois des articles. Nous avons sollicité des interviews au Monde. Personne n'a souhaité nous répondre. Ce soir, dans le quotidien, les dirigeants du journal ont dénoncé une campagne de haine. Rosane Carland. Le ton est donné dès la une du journal avec ce terme de livre réquisitoire. L'éditorial parle, lui, non de critique saine, mais de passion et de haine. Puis, une double page est signée par le directeur de la rédaction du Monde, Edoui Plenel. Ce roman d'espionnage est une machine à discréditer où l'animosité fait litière du sérieux. Son objectif est explicite, provoquer une crise interne au Monde et empêcher qu'il ne réussisse à fédérer autour de lui un groupe de presse indépendant. Sur les faits reprochés, peu de choses, si ce n'est sur l'aspect financier. Accusé d'habiller les comptes du groupe, Le Monde répond qu'il a toujours joué la carte de la transparence en informant chaque année ses lecteurs. L'association Hubert Boeuf-Méry, actionnaire du journal, confirme. Quand on nous dit dans les extraits que j'ai lus que le journal a perdu 12,1 millions d'euros, c'est exact, mais ça fait très longtemps que nous le savons et les administrateurs de l'association Boeuf-Méry le savent depuis plus de 6 mois. Et l'année dernière, c'était pareil. Et nous avons suivi ça avec une grande attention. Nous avons régulièrement des relevés. C'est pas toujours facile à lire parce qu'en plus on est dans un groupe. Mais là-dessus, l'accusation est fausse. Et on ne peut pas dire d'Aïnron à la française aujourd'hui, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Pour autant, l'association Boeuf-Méry souhaite un débat interne. En attendant, Le Monde a décidé d'engager des poursuites judiciaires sur ce qu'il estime être les diffamations les plus flagrantes. Le livre s'attaque en effet aussi à la famille de Jean-Marie Colombani et d'Edoui Plenel. Le chroniqueur du Monde, Pierre Georges, souligne « Cela donne ce chapitre hallucinant à dresser les cheveux sur la tête d'un autre temps et d'autres mœurs, Florent Bon, la chasse à l'homme ».